Bonjour à tous et à toutes, je suis Alucine Bienvenue pour la fin, enfin j'ai envie de dire, de Breath of Fire. La dernière fois, alors pour moi c'était hier, et pour vous je ne sais pas, je pense que ça doit être hier aussi, ça dépendra de quand tout cela va sortir. On a battu notre sœur, on n'a pas eu le temps de battre Jade, et voilà. Je crois que c'était ça. Et donc du coup, bah j'ai fait une petite sauvegarde. Normalement, tout le monde est full. Tout le monde est full. PVPM. Est-ce que par contre, je vais juste faire un crochet à la prochaine ville pour acheter des billes. Des billes, s'il te plaît. Parce que je n'en ai plus. Et que j'ai pas envie, mais pas du tout, de me taper des combats chiants. Où est-ce qu'elle est le magasin? Où est le magasin? Il y a un magasin au moins? Oui. Impeccable. Incroyable. Je vais d'abord vendre de la merde. Je vais vendre tout mon équipement inutile. Parce que oui, alors, je ne comprends pas pourquoi cette JR est en train de planter. Si quelqu'un a une explication, je veux bien. Voilà, là il y a cette place, acheter plein de billes. Ouais, une herbe dans le doute. Des glands. Voilà. Donc là avec 18 billes, je devrais être large. Juste ranger tout ça. Billes, oui j'en ai plein. Je vais juste reprendre les glands. Au cas où. Voilà, et des billes, on va en reprendre voilà. Un peu. Maintenant on est bien. On a tous les objets. Et maintenant il faut se rendre à la dernière zone du jeu. Où Jade est là. Je ne sais plus où il est. Voilà pourquoi je mets toujours une Solus. Parce que je tiens à dire que ce jeu, la version GBA est compliquée. Il faut deviner où aller. Par là. Je vous assure que c'est compliqué quand même. Merde, je suis allé trop loin. Là, un peu là. Merde, après c'est... Ah bah c'est Ascond qu'on va. C'est ça? Ouais, c'est Ascond. Ah non, c'est... merde, c'est là. Voilà, c'est ici. Non, un point plus bas. Non plus. Je passe dessus. Je passe dessus comment? Allô? Bonjour? Faut que j'aille comment dans cette merde? Ah d'accord, il faut que je passe dessus, ouais, comme ça. Et donc là, c'est la dernière zone du jeu. Magique. L'obélisque. Voilà, donc j'ai pas sauvegardé, donc je vais peut-être mourir. Ok, mais qu'est-ce que c'est cette merde? Mais non! Mais jamais! Mais non! Ah, il faut pas que je sois avec Nina, c'est ça. Faut que je switch. Ah, si je... Ryu? Ah bah oui, c'est Ryu, toujours. Toujours Ryu qui prend la tête. Il n'y a pas d'entrée. Un trou, mais Mogu nous sera le bienvenu. Mogu. Changer. À la place de toi. Alors, Mogu. Ici. Voilà. Mogu, voyons. Ah, tu peux pas creuser. Non, tu ne peux pas. Oui, c'est bon, on a compris. Qu'est-ce que... Ne peut pas creuser. Ah. Et donc du coup, il faut que j'aille ailleurs. Ok, donc c'est la petite quête nulle.
Basiquement, c'est ce que là, c'est ce que j'apprends, c'est qu'il y a une quête nulle dans la quête. Donc on va se mettre là. Et on va se TP. C'est comment déjà? C'est Grammar, ouais. On va y arriver, on va s'en sortir. Enfin, je vais m'en sortir. C'est qu'évidemment, c'était pas plus chiant comme ça. On va aller voir un vieux ici. Oui. D'accord. La griffe, ouais. D'accord. Ah, il y a des jours, je sens que la vie me veut du mal. Et quelque part, j'en ai marre. Et quelque part, je le prends bien. C'est faux, je le prends extrêmement mal. Alors, ah, c'est une quête annexe à la con, ça. Ah oui, ça sent la quête annexe merdique. D'ailleurs, je me suis perdu, c'est trop bien. Du coup, faut que je revienne où j'étais. Spoiler, je ne sais plus où j'étais. Si, j'étais là. Voilà. Voilà, il faut aller ici. Cette petite île. Tu as rien indiqué qu'il faut qu'on y aille. Ah, une petite vieille. Les arbres. D'accord. Oui. Oui. Ouais. Très bien. Ah, c'est chiant ça. Ah, c'est énervant ça. Vous voyez, c'est des suites de quêtes un peu nulles comme ça. Tu ne sais pas qu'il faut faire ça, mais tu es obligé. Donc là, on est allé voir une vieille qui nous a dit qu'il faut des choses. Sauf qu'on doit aller voir un mec qui collectionne des armes, donc cette personne-là. Waouh! On doit amener une liste, voilà. Ah, il faut que je rentre, c'est ça? Bon, donne-moi ton truc, toi. Ah! Oh mon dieu, il y a des pots! Ma seule faiblesse, et en plus, je me suis raté. C'est triste la vie. Ma vie est triste. Waouh, la liste. D'accord. Ah non, derrière, ouais. Une herbe. Une herbe. Parfait. Maintenant, faut faire demi-tour. Voilà. Des petits allers-retours, comme cela. Rien de bien pénible. Ce qui se passe, en fait, c'est que... Je l'ai dit plusieurs fois, mais... Le problème de jeu, c'est qu'il n'y a pas d'indication sur ce qu'il y a à faire. Et c'est dommage. Ouais, le coffre de trésor, je me suis raté, je crois que je me suis déjà raté. Ouais, je me suis raté. Bah oui, en plus. Kizako ! Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Moi, j'espère que vous prenez un truc à boire ou à manger pour l'instant. Parce que vous allez en avoir besoin. Ah. Voilà. Alors, voilà. Mais qu'est-ce que c'est ? D'accord. Donc là, on va refaire un aller-retour. Parce que ce n'est pas assez amusant. Là, on est à 4 allers-retours. Je ne vais pas m'énerver. Je ne m'énerve jamais. Si on vous a dit que je m'énervais, c'est faux.
Ah bah tiens. Donc là, on va faire un aller-retour. Sachant que là, c'est pour avoir les griffes pour creuser. Donc, moi, je veux pas dire. Mais c'est un peu long comme quête. Surtout qu'on est obligé de la faire pour continuer. Youpi. Et donc maintenant, on a cette griffe. Donc là, on a fini tous les allers-retours. Cependant, il faut se téléporter à Gramor pour remettre la griffe au vieux. Je vous assure qu'après ça, c'est le donjon de la fin, le combat final, la fin du jeu. De toute façon, je m'arrêterai pas tant que j'aurai pas la fin du jeu devant moi. Voilà, je mets juste... Alors, par contre, il faut juste que je fasse attention à ce que vous voyez pas le message qui vous dit que ma batterie n'est plus de charge. Ce serait ballot. Est-ce que ça peut arriver? Casse-toi, merci. Alors, vous avez trouvé la griffe? Bien, bien joué. J'aimerais bien vous apprendre comment on s'en sert, mais je suis trop vieux. Ah, ok, merci. Alors, comment l'utiliser? Regarde, tu tombes sur toi-même et ça fait un tourbillol. Waouh. Waouh. Essaye, appuie sur A. Ouais, là on s'ennuie en fait, basiquement. Là on s'ennuie, voilà. C'est bon? Une seule fois, c'est-à-dire que tu utilises une seule fois et que tu te rates, bah c'est terminé. Bien joué mon grand. Tu peux aller voir ailleurs. Voilà, j'étais en train d'éternuer aussi. C'est pas mal. Donc, là on retourne à Scand, enfin à l'obélisque. Voilà, là c'était une tour. Là c'était un fruit, donc attendez, le fruit, il y a un chemin ici, voilà. Et l'obélisque, il est quelque part dans la mer. Dans la mer. La mer. La mer, pas cette mer là. La mer, allô. Voilà, il est ici. Enfin, il faut bien y aller dessus, par contre. Attention, on ne rigole pas. Et donc, je rentre. Je vais utiliser... Il n'y a pas d'entrée. Ah, mon Dieu! Et donc, là, je fais... Mogu. Qui tourne. Ouais, il met un peu de temps, on va dire. Hein. Et donc, là, je suis dans l'obélisque. Voilà. Donc, je vais mettre mon petit Ryu. Et puis... Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Oh, ça m'ennuie déjà. Oh, puis il y a encore les mêmes monstres que dans la tour. Qui attaque en zone. Oh là là. Oh, il y a du dégât. Oh, il y a du gros dégât. Mogu est mort. Je crois qu'il va y avoir un autre mort dans pas longtemps. Il va y avoir deux autres morts en fait. Voilà, c'était là, c'était... Non mais j'ai bien joué, j'avoue, c'était génial. Non mais j'avoue, j'ai bien joué. Voilà.
J'arriverai toujours à m'en sortir, bizarrement. Ou pas. J'aurais dû utiliser une bille. Ouais, c'est bien de galérer sur un seul monstre. Ça montre au moins que la difficulté est difficile. Génial. Je ne m'attendais absolument à ça. Et un critique à 700. Bah voilà, c'est lui qui frappe le mieux. C'est étrange. Son carn, il va le voilà, critique de carn, 999, mort. Voilà, et en plus il y a du level up. Donc, on va prendre une bille. Et glace, parfait. Génial, c'était le combat que je voulais depuis toujours. Après je vais viser à max de PV de PM. Je vais garder cette fusion dans le doute. Voilà. Donc, on va y arriver. On va y arriver. Gros bruit d'ascenseur. J'espère que vous aimez. Ah ouais, mais en fait il y a des chemins tellement... En fait, ah ouais, d'accord. Il y a des vrais chemins et des faux chemins. On voyage toujours dans l'espace, je tiens à préciser, sinon c'est pas classe. Sinon c'est surtout pas drôle en fait. Tiens, ouais, bah par là. On va dire, ouais, par là, tiens. Par ici. Là c'est un chemin unique je pense. Ouais, exactement. Donc en fait ce chemin ne mène juste à rien. Ah, l'escalier. Non, je vais à l'escalier. Oh génial, un boss. Ouais. Oui, les bitrons ne fonctionnent plus. Bonjour. Ouais. Génial. Heureusement que j'ai fait le plein de gland. Parce que... je m'amuse sinon. Ouais, tiens, non, j'allais par là plutôt. Peut-être un objet cool. Ou alors je peux skipper, ça se trouve on peut skipper les monstres. Enfin on peut skipper les boss. Ou alors il prend un revers, je sais pas. Ça serait quand même bâtard. Bon, d'accord. On va dire que c'est ça. Non, j'ai dû me tromper. J'ai juste fait de la merde. Je suis pas du tout en train de me perdre, c'est faux, on vous a menti. Oh, un coffre. Un marteau de feu, mais c'est pour Beau. Hawks. Ah oui. Ah, complètement. C'est complètement pour Hawks. Escalier, mais la vitrine ne fonctionne plus. Et ben justement,
Parce que j'ai extrêmement beaucoup de billes. Je vais me permettre d'en utiliser. Bon, là, je sais où ça va. Ça, je sais. Donc, ouais, c'était juste pour un coffre que j'ai fait tout ce chemin. Ah, et là, faut que j'aille à gauche, normalement. Juste à gauche. Oui, c'est ça, à gauche. Parce qu'il y a un escalier avec petit combat de boss, hein. Sinon, c'est absolument pas drôle. Allez, petit combat de boss. Allez. Ouais. Normalement, c'est ça. À moins que me serais-je trompé. Non, c'est ça. Bon. De toute façon, le boss ne va pas durer longtemps. Je pense. Un avertissement. Oh mon dieu, c'est un caillou. Gouda. Ah mon dieu, c'est Gouda. Il est moche. Et par la puissance de draconique, j'invoque. Merde, comment ça je. Ah. Oui. Ah zut, flûte. J'avais oublié. Inverse. Il était à un point de vie. Salaud. Sort de zone. Ah non. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on sort. Tu vas faire ça et toi tu vas te mettre en Annie. Et vous allez rien foutre. Parce que les sorts de soins primes sur les invocations. Je vous ai expliqué que, en fait, cette invocation, c'est la seule à utiliser durant tout le jeu, à partir de la fin du jeu. Pourquoi ? Parce que non seulement max défense, max attaque, ça dit du 999, et donc du coup, bah. C'est le seul moyen de combattre. Voilà. Par exemple, 999, ça lui enlève même pas un quart de vie. Alors, je me mets pas en combat automatique, par contre, au cas où, si je peux utiliser un objet de soin, petite herbe. Et vous voyez que le combat est impitoyable. Et encore, je suis au max. Oui, alors, le son galère un peu. Je suis désolé pour ça. Voilà, il m'a enlevé un neuvième de ma vie. Alors, le seul problème qu'il y a avec cette invocation, c'est qu'il faut soigner tout le monde après. On y arrive. On y arrive. Après, s'il y a des gens qui font le jeu sans Roudra, Annie et les autres invocations de dragon, bien jouer parce que faut être fort, faut tout préparer à l'avance. Et puis il faut avoir une RNG assez excellente. Bah, oh, putain, il résiste bien lui aussi. Il résiste même plutôt bien. Bon, au moins lui il a qu'une seule attaque, c'est YOLO. J'avoue quand même que ce genre de combat un peu long. Ah bah voilà, c'est fini. Et donc du coup, même pas de level up. Oh, je suis déçu. Comment tu peux vaincre? Ah mon dieu, c'est impossible. Je meurs. Voilà. C'est tout ce que j'ai retenu. On va faire un petit une petite pause de soin parce que j'ai de l'herbe. Ça c'est bon.
On va se remettre un gland sur toi. Ah ouais, on va remettre full gland même. Parce que... Et on va prendre la direction du trou. Parce que dans ce trou, eh ben, il y avait un escalier. Effectivement, je le savais. Je savais tout. Ah oui, d'accord. Par là. C'était possible d'aller vite. J'avais mis... Oui, j'avais mis une bille. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que c'est? Voyons. La butron ne fonctionne plus. Ah, quel dommage! Voilà, I3. Alors... Oh, c'est moche! Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est, mais ça l'est. Ouais, c'est tout ce que j'ai trouvé à dire. Ça a l'air chiant comme labyrinthe. Je crois qu'on est parti pour s'ennuyer aussi. Je peux pas sauter. Ah, je peux pas sauter, c'est dommage. Si ça avait été comme Golden Sun, ça aurait été un peu classe. Bah, c'est bête. En tout cas, il y a plein de trucs un peu dégueulasses. Et j'aime pas bien ça quand c'est dégueulasse. Sur des terminaux nerveux. Ah, j'ai pipi. Heureusement que j'ai la max de billes. Sinon, je serais un peu dans le caca. Enfin, un peu. C'est plutôt beaucoup même. Ça avance tranquillement. Ici. Et là, ah, là, l'escalier. Oui, l'escalier. C'est quoi au-dessus? Il y a un autre truc. Et là, c'est pour revenir au début, d'accord. Je peux pas les activer ou les désactiver, les cerveaux. J'ai pas le choix. Pas le choix. Ouais. Ça ressemble vachement là où j'étais. Bon, on va dire que c'est normal. Et là, je suis où? Ah mon dieu, c'est le combat de fin! Ça y est? C'est la fin? Oh oui! Oui, yeah. Ah putain, on peut avoir... Ah mon dieu, est-ce qu'on peut? Ah c'est... Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que... Il y a une... Est-ce qu'il y aurait une mauvaise fin? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que... Je sais pas. Moi, ça m'intéresse de savoir les bonnes et les mauvaises fins. Ah, je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de dire non parce que c'est l'histoire, mais j'ai envie de dire oui juste pour savoir c'est la mauvaise fin, mais ça me ferait chier de tout recommencer. Donc du coup, je vais juste faire une sauvegarde rapide. Voilà, j'ai juste fait une petite save. Je verrai plus tard, je la mettrai sans doute en fin de vidéo, ce que ça fait de faire une bad ending. Enfin bon, là c'est le combat, on va la jouer legit, et puis on va voir ce qui se passe. Donc, non. Ah, dommage, gros. Ah putain, c'est moche. Donc. Sors, je mets Annie. Voilà, là je me transforme, à gogo, ah là là, c'est le méchant. Je suis Annie, le grand dragon. 39, ok, attaquer. Ok, donc un sort, je prends 400 de dégâts. On va jouer la carte de la sécurité. Normalement, j'ai énormément de... J'ai pas trop de soins. C'est bizarre, ça. J'ai pas énormément de soins, tout ça. J'ai pas un sort. À part inverser, bien sûr. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah, un critique qui ne sert à rien. Je crois qu'on est parti pour s'ennuyer, en fait.
Ouais, on est parti pour s'ennuyer. En fait, tant qu'il me fait pas un sort, a priori, je suis safe. Là, par contre, je vais me soigner. Là, je vais peut-être me soigner parce que je la sens pas. Oui, c'est mort, en fait. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, le jeu. Donc là, je m'en mets ma vie. Ok. Ok, ça avance. Bon, là, c'est des petites attaques. Il m'a parfait un tonnerre. Est-ce que la RNG est avec moi? Ok. Une attaque un peu nulle. Ça doit être une attaque de zone, je pense, vu comment les billes sont passées. Ok. Là, je suis milieu de vie. À peu près. J'ai un peu peur qu'il me refasse manger mes dents, en fait. J'ai juste peur. Ah là, putain, il me l'a fait. Ah non, c'est moi qui l'ai fait. Ok. Ok, pour l'instant, ça va. Y a pas de gros problème. Ah, non, c'est bon. Non, mais j'ai peur, en fait, là. J'ai juste... peur, j'ai vraiment très peur pour ma gueule. Là, a priori, ça va, j'ai de la chance. Non, j'en suis où? Parce que j'ai pas regardé depuis un moment. Ok, un quart de vie. Un quart de vie, ça se passe à peu près bien. Allez, on y croit. J'y crois à mort. Je vous le dis, j'y crois. Putain, il me l'a fait une seule fois. Allez, on y croit. Allez, encore deux attaques normalement et ça passe. Est-ce que je la joue safe et je me soigne? Vas-y, non, j'y crois, ouais, c'est bon. Prochain tour, par contre, je vais me soigner parce que j'y crois moyen. Oui. Ok. Bon, là maintenant, vu que je sais pas combien de points de vie va rester. Je vais prendre un soin sur moi. Je la joue safe. Je la joue assez safe. Voilà. Maintenant, combien d'attaques? Alors, un coup. Ok, normal. Deux coups ne passe pas non plus, je pense. Ah, il me l'a refait tonnerre, voilà. Ça, je m'en suis douté. Ok, c'est 400 dégâts fixes, a priori, tonnerre. Si ça passe en critique, par contre, ça doit faire peut-être beaucoup plus. Faut que je surveille ma vie pour que ça descende pas en dessous. Ah, c'est fini. Ok, level 23. Très bien. Gobi passe un niveau. Très bien. Tu es gredin, heureusement, maintenant que tu m'as battu. Donc, les grosses têtes, ce n'est pas vraiment toi qui m'as vaincu, c'était ma destinée. Ouais. Donc il y a encore un autre combat. Il y a un trou last boss. Très bien. Je vais donc me péter le bide avec des glands. Tout le monde même. Non. Même Nina. Un soin, il m'en reste un. J'ai un déjec. Et c'est tout. Là je suis assez large. Je suis un peu large. J'ai une pomme. Ouais. J'ai un peu peur de ce qui va arriver. Mais juste un peu. Franchement, j'y crois pas du tout. J'y crois absolument pas parce que si ce boss-là était assez chiant, si je me bats contre la déesse, je vais pleurer tellement fort. D'une force, surtout. Une force. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ok, je ne bouge pas. Ah, il y a un ascenseur. Très bien. L'ascenseur final. Donc, il y avait un trou last boss. Ah, je peux me barrer, a priori. Est-ce que je peux me barrer?
Est-ce que vraiment je peux me barrer ou c'est une feinte? Non, c'est pas une feinte. Bon. Oui, la vitrine ne fonctionne plus. Me servira plus de toute façon. Que veux-tu? Il y a encore une bad ending. Il y a encore une bad ending à ce jeu. C'est. Non mais là il y a trop de bad ending en fait. Donc je vais en faire une save ici. Voilà. Comme ça, s'il y a une autre bad ending, c'est-à-dire qu'il y a une trop bad ending à celle-là. Il y a trois fins différentes dans le jeu, j'ai l'impression. Non. Non. Je viens. LOL MDR, oui. D'accord. Bon. Bah. Oh, elle est bien animée. Non. Défense. On va se remettre en Annie. Les autres défenses. Voilà. Ah là là. Voilà. Elle n'attaque pas. Pourquoi? Pourquoi? Ah. LOL. Merde. Je vais crever. Mince. Est-ce que... Allez. On dit qu'on y croit. On dit tellement qu'on y croit. Moi je dis ça m'a. Je pense que si j'arrive à survivre à ce tour. Ah mais je suis refait. Non, tu vas juste te défendre en fait. Merde. Putain. Et je peux pas ça. Ouais, je peux pas faire Annie. Ouais, évidemment. Argue. Donc, très bien. Je suis un peu dans la merde. Bon. Objet. Normalement, il me reste une vie 2. C'est la vie 2 de ma vie. Défense. Oh, ça hausse. Oh, ça va le faire. Défense. Sort. Annie. Défense. Yes. Donc là, normalement, je devrais au moins... J'espère survivre. J'espère tellement survivre. J'y crois absolument pas. Oh la vache, je n'y crois plus. 70. Ah, il y a quand même une petite chance à ce qu'il me rétame la gueule. Je vous le cache pas. Oh putain, et ça rame du cul. Oh là là. J'enlève combien? Ah oui. Alors. Là, c'est un problème que je peux reprocher au jeu, c'est que le boss est imposant mais faisable sans l'invocation a priori, parce que là j'ai dealé du max dommage, mais aïe, je suis désolé pour vos oreilles, rip and form new source. Mais là en fait ce combat peut être fait sans la, quasiment sans l'invocation, si vous avez boosté, que vous avez topé les meilleures armes du jeu, les meilleures armures. Et là, je suis un peu déçu. Voilà. Je tenais à vous le faire savoir. Bon, par contre, vos oreilles sont sans doute mortes. Et je m'en excuse. Mais tenez bon. C'est bientôt la fin. Je vais peut-être me soigner bientôt parce que... Parce que je la sens pas trop. Hein. Je la sens pas vraiment du tout en fait. Même si elle me fait du 70, a priori en dégâts. 70-80. J'avoue que si elle ne meurt pas dans 4-5 tours, je vais être obligé de me soigner. Ok, du 182. Je vais me soigner au prochain tour. Ça n'est pas possible autrement.
objet un soin sur ma gueule. Donc là, hop, du soin, je reviens à mon max PV. Elle me fait un critique à 134 et j'ai bien fait de me soigner finalement. Va-t-elle bientôt mourir? Je n'en ai... Je retire ce que j'ai dit, ce boss est obligatoirement faisable avec la max, avec l'invocation. Je retire tout ce que j'ai dit en fait. Surtout que là, je n'ai plus de soins. Et c'est un énorme problème. Et on assiste en fait à un combat assez long et chiant. Et surtout qu'avec la musique, un peu énervante, je vous l'accorde. Je vous accorde que la musique commence à être un peu énervante. Je sais pas combien d'attaques je suis. J'espère seulement que c'est bientôt terminé. J'espère que c'est bientôt terminé en fait. Wow, un critique sur une max attaque. Je me demande à quoi ça sert en fait. Bon, par contre, avec son atomise là qu'elle est en train de me faire depuis plusieurs tours, c'est en train de me faire peur, moi. Allez, meurs, fais un truc, bordel! Allez! Décède, fais un truc, bordel! Meurs! Oulala, ça a ramé un petit peu, beaucoup, même. C'est long, j'avoue que c'est un peu long par contre ça. J'avoue aussi que je vais me remettre des points de vie dans pas longtemps si ça continue. Là je peux survivre à une attaque critique. Je peux encore survivre là. Là par contre faut que je me soigne prochain tour. Je ne peux pas faire autrement. Je sais pas comment je vais faire pour me soigner, mais je vais le faire. Ah bah oui. L'éjection, donc là facile. Tout le monde veut regagner ses points de vie, même moi. C'était l'objet ultime. Voilà, même les gens qui ne sont pas là reprennent leurs points de vie. Bon, à part Karn. Bon, là je pense qu'elle est bientôt morte. Ça fait quand même un bon moment qu'on est sur ce combat. Oh la vache, c'est long. C'est un conseil que je peux vous donner aussi dans le jeu, c'est ne vous mettez jamais en combat automatique parce que je sais pas du tout comment on fait pour le désactiver. Là je dois être à plus de 10 fois le maximum, donc j'estime que cette personne a au moins 20 000 points de vie. Voire beaucoup plus. Énormément plus sans doute. J'ose à peine imaginer les personnes qui ont eu ce jeu sur NES Advance à l'époque, qui ont galéré pour atteindre la fin, parce que quand même il y a des choses qui n'étaient pas marquées, c'était quand même assez difficile. Les Sonus, ça n'existait pas vraiment sur internet, ça commençait à se démocratiser via l'étal JV pour les plus vieux. Ça devait être compliqué, parce que quand t'arrives là, à la fin. T'as fait l'obélisque, t'as fait le demi-boss, t'as fait le boss, t'as fait Jade, et tu te retrouves face à ça. Et que si tu meurs, et ça doit être là le pire, si tu meurs, tu recommences tout. Je pense que t'es pas bien. Bon, par contre, ça commence à être énervant. Je tiens à le dire.
Ouais, c'est énervant par contre là. Parce que le gamin, il est au bout, tu vois. Il a tout. Il a réussi à choper toutes les meilleures armures, les meilleures invocations. Mais franchement, il n'en peut plus là. Là, moi, j'en peux plus, clairement. J'ai pas un truc pour me rendre de la vie. Prends l'épée au groupe. Avec, j'ai de la viande. Oh putain, j'ai bien fait. Oh, j'ai bien fait. Oh, j'ai de la viande. 70! Bordel! Ah, si je meurs, mais je vais pas être content. Si je meurs, je vous le dis, mais... Ah! Prends les PV au groupe. Soin 2. Ah, vas-y. Non, non, non. Pas de critique, pas de critique, pas de critique. 70, ça, c'est 84 au max. Allez. Là, tu me fais le plaisir de me rendre toute ma vie. 250. Je vous ai dit que ça allait être long, parce que ça va être long. Actuellement, ça va être très long. Là, je vais utiliser tous mes objets de soins. Ah, putain, critique. Ah, la vache. Je vous ai dit que ça allait être chiant. Là, actuellement, je me mets que du 250 points de vie. Je ne peux pas faire autrement. Là, j'ai plus aucun objet de soins. Donc, soit j'y vais, je prie et ça marche... Soit j'y crois tellement pas et allez, moi j'y crois. Là j'y crois, là c'est kamikaze. J'y vais en kamikaze là parce que j'ai plus d'alternative. Mais j'y crois tellement pas. J'y crois tellement pas. Au moindre critique, je décède. Là si je meurs, je comprendrai tous les enfants qui sont morts à cet instant. Ces enfants qui ont bourré le jeu et qui sont morts, mais à ça du boss. Putain. Ah mais là actuellement j'ai peur. J'ai très très peur. J'ai très très peur. Là c'est fini. Soit ça passe et c'est terminé, soit ça passe pas et je suis mort. Ouh. Ah. Ah putain, j'ai eu peur! Ah la vache! Ah! Ah oui! Ah enfin! Ah, j'ai peur! Ah putain! Ah mais oui, ça y est, c'est terminé! Waouh! Voir une magnifique animation de dalle qui tombe alors que je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire, je vais donc tomber. Attention, je tombe, voilà, et je tombe, mais en fait je volais car j'étais un oiseau. Les oiseaux, le peuple oiseau. Ah non, en fait, c'est pas nous parce que nous on est roses. Des oiseaux donc. Ah, c'est ma sœur morte, mais pas vraiment. Et elle remonte au ciel. Elle doit être morte deux fois donc, si j'ai bien compris. Ah, le seigneur dragon, le point de sauvegarde, salut!
Est-ce que c'est fini? J'ai l'impression que c'est fini. En effet. Alors, je pense que j'ai pas vraiment besoin de dire ce que je pense du jeu maintenant que je l'ai fait. En fait, je crois que le meilleur moyen, ce serait d'y jouer sur la version Super NES pour se rendre compte à quel point c'est compliqué. Alors, au départ, ça va, c'est simple, on sait à peu près où faut y aller. Arrivé au tiers du jeu, c'est compliqué parce que le RPG devient un vrai RPG, c'est-à-dire au sens où vous devez trouver ce qu'il faut faire. Non pas que ce soit une mauvaise chose, mais c'est compliqué pour avancer dans l'histoire. Bon, Bleu et le Rodor, hein, c'est bon, rien à foutre. Hawks, il se barre. Enfin, il est reviendu et il a un enfant dans les bras. Après, il y a un autre problème aussi, c'est que au début, vous l'avez vu, il faut faire plein d'allers-retours juste pour obtenir un objet nécessaire et important pour avancer dans le jeu. Pour avancer dans le BX, j'ai dû faire des allers-retours entre deux endroits pour obtenir un item que si je ne l'avais pas, eh ben, je ne pourrais pas y aller. Que si je n'avais pas, je ne pourrais pas continuer tout court. Ce qui fait que ben c'est un peu compliqué à trouver. Après, pour ce qui concerne les boss, ça va. Il y a peut-être un boss qui était extrêmement compliqué. Je crois que c'était vers l'épisode 13 ou 14. A priori, c'est le plus compliqué du jeu pour le début. Ensuite, il y a eu les quelques boss de la fin. Pas compliqué, mais assez stratégique à faire parce qu'il faut savoir combien ils mettent de dégâts. Et du coup, voilà. Après, à la fin, le boss Goda, nul. Voilà. Enfin, c'est vraiment le petit boss. Jade, il est un peu compliqué, j'avoue. Ah, mon Dieu, notre héros qui marche au soleil le couchant. C'est beau. Avec sa sœur, que l'on ne se souviendra. C'est beau. Et aussi, le boss de fin, la déesse Mila. Par contre. Ah, ça y est, c'est les crédits. Oui, c'est les crédits avec les boss. Mila, par contre, ça doit être le boss frustrant. Parce que quand même, vous l'avez entendu, j'étais assez content de l'avoir réussi. Je ne sais pas combien de personnes l'ont réussi ce boss au début, à l'époque, mais je pense qu'il devait être bien content de l'avoir terminé. Je pense que tu finissais le jeu, tu pouvais t'en vanter pendant des semaines. Là, c'était compliqué quand même. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc je vous recommande quand même de l'essayer. Et si vous coincez, utilisez une soluce. Vraiment, parce que c'est compliqué. C'est assez dur de se repérer. Si vous n'avez pas utilisé une soluce, personne ne vous en voudra. Voilà tout ce qu'il y a à dire. Mais ça reste quand même un bon RPG réédité sur Advance. Donc oui, mais jouer à la version Super NES quand même. Bon alors, le dragon là, c'était juste une blague. Enfin, le dragon notre sœur, une grosse blague. Là, ils vont nous mettre tous les monstres. D'accord. Très bien, en fait, ils vont nous mettre tous les monstres. Bah du coup, pour éviter de vous faire perdre du temps, merci pour ceux qui veulent pas savoir la suite et les autres fins s'il y en a, parce que je ne sais absolument pas s'il y en a. Je vous remercie d'avoir suivi quand même cette vidéo jusqu'au bout. J'espère quand même que le jeu vous plaît, que vous aurez envie de l'essayer. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à commenter si vous avez des souvenirs de jeu, si vous avez des souvenirs de ce boss qui est la déesse Mila. Si à l'époque vous l'avez fait, quel a été votre sentiment, si vous étiez proche de la fin ou si vous aviez gagné contre elle alors que vous étiez quand même dans une situation assez critique. Le prochain jeu qui remplacera Breath of Fire, je pense
Très honnêtement, que ce ne sera pas Breath of Fire 2. Pas du tout même. Pour le moment, je vais reprendre les Phoenix Wright, je pense. Et je vais reprendre avec un Mighty Dwarf. C'est pas encore sûr, mais c'est le plus probable pour le moment. Neverwinter Nights continue. Et pour ceux qui voudraient voir la fin, je vous invite à aller regarder plus loin dans la barre de lecture. Normalement, l'image sera différente. Pour ceux qui nous quittent, merci à tous. Abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. Me suivre sur Twitter ou des fois je dis des trucs. Merci. Bon jeu. Et à la prochaine. Ah, on n'oublie pas le fameux « Et toi d'avoir joué à ce jeu qui t'aura pris des heures de ta vie, merci pour le jouer, pour d'y avoir perdu ta vie dessus. » Et ouais. Et là, c'est... Oh, c'est moche. Ah non, c'est « End ». Waouh. On met que notre héros et Nina. Ok, je... Oui. Oui. Je... Allô. Ah, d'accord. Donc, à savoir que à la fin, on va se faire foutre. Bon, après, ah non, c'est bon. Ah mon Dieu, à suivre parce qu'il y a le Breath of Fire 2 que je ferai pas parce que non, tout simplement non. Donc du coup là, je vais reprendre les saves où je m'étais arrêté pour carnet. Enfin, pas pour Ken, pour Jade et machin. Et puis voilà. Moi, je pense que ça sera cool. Du coup, en fait, ma save, où j'étais? Putain, 23, et là, j'ai fait une partie. Ok. Donc, du coup, c'est parti. On va essayer de voir s'il y a des autres fins. Donc, là, je reprends. Enfin, ça va être le bonus, un des bonus. Donc, qu'est-ce qui se passe si je dis oui à la proposition de Jade? Donc, voilà, je dis oui. Et donc, non. Alors, ah d'accord. Donc, je vais voir ce qui se passe. Ah, ok. Donc, c'est des combats. On va voir ce qui se passe. On va voir. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Ok. Donc, il m'a lancé un monstre. Ok. J'attends. Au bout d'un moment, on va peut-être découvrir un truc. Là, pour l'instant, je fais rien. Je ne bouge pas, je... Peut-être qu'il va se passer un truc. On sait jamais. Moi, je veux savoir. Voilà. En fait, tant qu'on ne bouge pas, il va nous reproposer. Et on va dire oui. Et donc, du coup, ça va aller très loin. Donc, moi, je veux savoir ce qui se passe à la fin. De toute façon, là, c'est des monstres un peu... Ah, quoique, les monstres sont de plus en plus forts. Donc, est-ce que ça joue? Est-ce qu'à un moment, il va nous balancer un monstre assez trop fort pour nous? Oh! Ça, c'est pas mal, ça. On peut dropper des objets, ça permet de farmer un peu. Moi, je veux savoir ce qui se passe. C'est un peu l'expérience inutile, on va dire. Ah, par contre, ça c'est de la merde. Parce que ça résiste. Pas du tout, en fait. Ça permet de farmer de l'XP, c'est intéressant. Ah, un gros mob. Alors ça, c'est gros mob. Important. Ça deal un max d'XP et d'or. Mais par contre, résistance assez importante. Dans le souvenir, c'était plus fort que ça. Bon, voilà. Non, toi, tu le soignes. De toute façon, là, ça va être simple. Il va être mort au prochain tour. Voilà. Et le tri-boomerang. Normalement, voilà, max d'XP, max d'or. Ça permet de level up. C'est pas mal. Carbone, parfait.
Voilà, si vous voulez fermer, ne faites rien. Est-ce que par contre, le script fait en sorte qu'à chaque fois que je le divertis, il m'envoie un monstre au hasard? Je pense que ça doit être ça. Bon bah ça, un coup, voilà, c'était nul! Là, je veux savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une fin au moins ou est-ce qu'à un moment il va s'emmerder et autre chose? Je pense que ça doit boucler. Ah! C'est vraiment trop nul. Oh, regarde qui attaque en premier, qui est plus rapide. Pardon. Ah, par contre, ça met un max d'XP, ça. Ouais, donc je pense que c'est ça, ça va faire un monstre au pif. Voilà. Bon. Je pense que vous avez compris ce qui se passe quand on fait divertir. Donc, du coup, voilà. Maintenant, on va passer directement à Mila. Incroyable, c'est pas la magie du montage, la magie de la safe state. Hein, ouais, oui, parce que je triche un peu. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe si on lui dit qu'on est là pour un vœu? Ah, c'est gratos! Voilà, au revoir. D'accord, donc, maintenant je sais ce qui se passe. Si on lui dit... qu'on veut qu'on si on lui dit un souhait, elle nous soigne gratos. Donc là, si je lui dis non, voilà, que fais-tu? Pourquoi tu dégages ton épée? Donc en fait, là, je vais juste essayer, si j'attaque juste, d'ailleurs, juste pour voir ce qui se passe. Ouais, en fait, elle n'attaque pas. Elle n'attaque juste pas. Je peux la tuer comme ça? Attendez, parce que non, il y a forcément un moment où elle va craquer. Si j'ai bonne mémoire, lorsque j'étais à lorsque voilà. Donc en fait, stratégie. Ah, c'est quoi? Mais il y a encore plus de choix. Ah mais d'accord. Donc si vous attaquez avec Annie, elle va, c'est direct au 3 boss. Mais par contre, si vous l'attaquez normal, eh bah, ben, le script change. Donc, si je dis soyons amis, soyons amis. Ok. Ah, et par contre, là, ça change. Donc, en fait, putain, mais. D'accord. Donc là, c'est plus un bouclier, que là, c'est des espèces de flammes autour. Et là, par contre, elle m'attaque. Donc, là maintenant, si là, je pense que si je mets Annie, sort Annie. Là, par contre, si je mets Annie, donc du coup, j'aurai droit au True Last Boss. Ah, c'est intéressant de voir comment les mecs ont géré ça. Mais par contre, elle me fait un bizarre, ok. Voilà, ouais, 100 dégâts, très bien. Oui. Donc là, j'utilise Annie. Direct. Et ensuite, ça active le script. Très bien. D'accord. Donc, on est obligé d'avoir Annie pour aller à la fin du jeu. Donc ça, c'était autre chose. Merde. J'avais... Ah, merde. Attendez, je retrouve ma save. Donc oui, Ah, j'étais sûr d'avoir fait une save quelque part. Voilà, selon ami, et si je dis non? Alors. Ok, et donc là, ça boucle. Ok. Ouais, et donc ça boucle. Donc là, si je dis oui, selon ami, il y a notre... Ok, donc en fait, il y a une phase cachée où on est obligé d'utiliser Annie. Parce que sinon, on meurt.
Maintenant que je sais ça, c'est assez intéressant. Et très franchement, je suis surpris. Donc en fait, pour résumer, au choix de Jade, si on le divertit, il va nous balancer des mobs au pif, qui est un bon moyen, pour maxer les personnages et sans doute dealer, avoir un max de drop. Et pour ça, si on l'a fait en legit, jusqu'à 3 quarts de vie, on va activer un autre dialogue où notre soeur va nous dire d'utiliser Annie. On peut aussi se soigner, et si on la bat pas, enfin il y a la première phase où elle est en bouclier, la deuxième phase où il y a les trucs en flamme, là on est obligé d'utiliser Annie pour activer trois S-boss. C'est assez intéressant de savoir ça, moi je suis content. Merci d'avoir suivi ce petit bonus, voilà, pour vous expliquer comment, bah, maintenant on sait ce qui se passe pour les différents choix, donc il y a... C'est pas des bad endings, c'est juste des petits chemins alternatifs pour arriver vers la fin. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de ce bonus. On se retrouvera très prochainement pour un autre jeu, sans doute Phoenix Wright. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour une autre vidéo.